Le vaccin contre le Covid-19 est lentement déployé en Espagne. Dans cette maison de soins de Madrid, 280 personnes ont été vaccinées grâce à une astuce. Prélever 6 doses de chaque flacon du vaccin Pfizer-BioNTech au lieu des 5 recommandés par le fabricant. Et ils ont dû le faire en utilisant leur propre seringue. Nous avons reçu des seringues qui n'étaient pas bonnes. Pour obtenir les 6 doses, ces seringues sont inutiles. Nous avons fait ce qu'il fallait en utilisant nos propres seringues à insuline d'un millilitre. Pour obtenir cette 6e dose, il est donc nécessaire d'utiliser un équipement spécial. Le manque de seringues adaptées a ainsi entraîné le gaspillage de milliers de doses qui auraient dû être disponibles pour les Espagnols. Bien que nous sachions depuis décembre, la Direction générale de la santé publique nous a indiqué dès le 28 janvier qu'une 6e dose est prise dans 90% des flacons Pfizer. Lorsque nous avons demandé ce qui s'était passé avec les 10% restants, ils ne nous ont pas donné de réponse claire. Quelque chose d'aussi simple qu'une seringue permet d'obtenir jusqu'à 20% de contenu en plus pour un seul flacon de vaccin. L'accès aux bonnes seringues est devenu une question d'importance nationale, surtout maintenant que les entreprises pharmaceutiques commencent à faire payer les doses supplémentaires qui s'y trouvent. Les ministres espagnols de la Santé et de l'Industrie ont visité les installations d'un fabricant de matériel médical à Madrid, avec une attention particulière portée à la chaîne de production de ces seringues adaptées. Les services régionaux de santé espagnols en ont acheté 25 millions et la société s'est engagée à assurer leur livraison. Nous envoyons du matériel en ce moment même. Nous avons prévu que les seringues arriveront dans les différentes régions espagnoles au fur et à mesure qu'arriveront les nouveaux lots de vaccins. Mais des milliers de doses ont déjà été gaspillées. Pfizer a modifié la fiche technique du vaccin. Il est vrai que même s'il pouvait obtenir plus de doses, parce que la fiche technique indiquait 5 doses, il s'adaptait à la fiche technique. Les autorités sanitaires espagnoles devraient désormais être davantage vigilantes. Elles participeront ainsi à une initiative de l'Union européenne visant à acheter en gros des seringues pour le vaccin. Une obligation pour Madrid, puisque le pays recevra 8% de flacons en moins de Pfizer jusqu'à la fin février. Mais grâce aux bonnes aiguilles, elle pourrait obtenir 10% de doses supplémentaires.